Une fois qu'il sera bien éduqué, ce qui va rester, c'est la récompense par la voix ou par la caresse. D'accord ? Donc, nom du chien au pied, il revient, ouais, c'est bien mon pépère, ouais, c'est bien, on lui caresse, on lui donne sa récompense. Voilà, il faut montrer qu'on est content de ce qu'il a bien fait. Donc, maintenant, on va se diviser par deux. Vous avez une partie qui va découvrir les obstacles. Pendant ce temps-là, on va faire le parcours de motivation. Pour les chiens. Donc la moitié avec moi, la moitié avec Pierrot. Rappel du parcours de motivation. Les chiens qui, à partir de la 4e semaine, peuvent marcher, vont explorer tout leur territoire sans peur. Et arrive un phénomène, à la 7e semaine, il y a une période de peur qui va se créer chez les chiens et tous les chiens. Alors plus ou moins forte suivant le tempérament et suivant la race. Alors, c'est tout à fait normal, tous les chiens ont cette période-là. Pourquoi ? Parce que dans la vie sauvage, si le chien, dans la vie sauvage, n'avait pas peur et sortait comme ça de son terrier, il serait une proie pour les autres. D'accord ? Donc c'est normal. Alors ce qu'on va essayer de faire au travers du parcours de motivation, c'est leur redonner confiance. D'accord ? Donc, c'est moi qui vais le tenir. Un étranger qui tient le chien, il n'a pas tellement envie de rester avec moi. Vous êtes à l'autre bout avec une friandise. Donc si on fait bien ce qu'on lui a appris, à chaque coup je reviens à mon maître, j'ai une friandise, il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. D'accord ? Nom du chien, au pied. Mose, au pied. Mose, au pied. Voilà, et on est content, c'est on bien. Marque sa joie. C'est bien. Allez. C'est bien, mon copain. C'est là combien de fois il fait le passage ? Troisième. Donc tu vois que ça a changé, hein ? Ah oui. C'est normal, la première fois il va avoir peur, il va se bloquer. Max ! Au pied, Max ! Allez, au pied, Max ! Allez, pépère, viens, Max ! Allez, viens ! Viens ! Ouais ! Max, c'est là combien de fois ? Troisième. Troisième fois, donc dans deux fois, yeah. Ça pétera les trucs. Yeah. Alors là, c'est bien. C'est là bien. On va assister à un chien qui le fait pour la première fois. C'est bien. Allez. Bravo. Hop là. C'est bien. Alors. Mambo, Mambo, ok. La semaine dernière, j'avais peur. Mambo, bien. Mambo. Ok. Bien. Mambo. Bien. Tape dans tes mains, courageux. Ouais. Bien. C'est à faire le rappel maintenant. Quand on veut, on appelle le chien, on ne court pas vers lui. Non. Parce que pour le chien, si vous allez vers lui, c'est que vous jouez. Donc on s'éloigne toujours et c'est le chien qui revient vers nous. Hein, c'est vraiment important de ne pas essayer d'attraper le chien parce que le chien il court de plus en plus vite.
et plus vous allez lui donner cette habitude, lui vous jouez. Donc il court plus vite que vous, donc vous aurez du mal à le rattraper. Ok ? Au pied. On recule, voilà, et on donne. Max ! Au pied ! Mais cache-toi, pars te cacher. C'est bien. Au pied. C'est bien. C'est normal parce que quand vous êtes devant comme ça, il entend, la piscine, il entend là une voix qui est trop profonde. Il entend pas comme vous dites, ça va l'aspirer. Donc, on va passer une fois la petite passerelle là. Allez, on vient. Alors, c'est pareil, c'est dessus. Allez, viens. Donc on va commencer, il y en a qui l'ont déjà fait la séance dernière, on va commencer à refaire le assis, la position du assis. Donc le principe du assis, je vous le rappelle, au départ on ne parle pas au chien, on va s'approcher du chien. Non. Voilà, j'ai rien dit, j'ai voulu avoir la position assis, donc c'est mécanique, hein, l'équilibre. L'équilibre du chien se trouve dans le cou. Donc quand il est déjà un peu grand, qu'il veut téter sa mère, la seule position pour avoir accès aux mamelles quand elle est debout, c'est d'être assis. Donc c'est une position naturelle du chien, comme debout et couché. Donc, c'est sûr que c'est le travail à la maison qui fait que ça marche tout ça. On vous donne des bains, alors ça c'est important aussi. C'est un, j'ai pas peur du bruit. Mais deux, je cours pas avec ce qui sera plus tard un vélo. D'accord ?